Bonjour, ce site est un petit livre noir qui est un dictionnaire de termes utilisés par les anarchistes pour expliquer certaines notions. Ça peut varier de l'abstentionnisme jusqu'à l'amour, le chaos, la résistance, etc. Et chaque fois, ce livre est illustré avec des citations des personnes importantes pour la théorie anarchiste comme Kropotkin, Bakounine, Malatesta, etc. On peut y parler de Dieu, de gouvernement. Et j'ai trouvé que ce livre était important pour tout le monde, tous ces gens qui ne sont pas encore familiers avec la théorie anarchiste, mais qui veulent savoir quelque chose là-dessus. Et notamment, je voudrais vous lire un petit extrait qui parle du mot anarchie. Puisque aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de l'anarchie en pensant que c'est le chaos, c'est le désordre. C'est la violence, alors que, en fait, l'anarchie, c'est l'amour, comme dirait Léo Ferré. Donc, l'anarchie, c'est une chose étonnante, que le pouvoir qu'ont certains mots d'effrayer les esprits, alors que l'idée à laquelle ces mots correspondent, pour le monde, est très bien admise, pourvu qu'elle se déguise sous un autre nom. Ainsi, en est-il du mot anarchie, qui fait dresser les cheveux sur la tête de nos bourgeois, alors que l'idée de réduction infinie des fonctions gouvernementales et finalement de l'abolition même du gouvernement est le dernier mot des économistes du laisser-faire, patronné par ces braves bourgeois. Donc ici, dans cette citation, on voit le double sens du mot anarchie, qui d'un côté fait peur à plein de gens, et de l'autre côté, l'idée d'en passer du gouvernement, de créer d'autres structures, d'imaginer une manière de gouverner, de vivre ensemble autre, est déjà dans l'air. Donc c'est pour ça que je pense que ce livre peut être utile aux personnes qui vont passer ici dans cette bibliothèque des anarchives, et ça permet d'avoir un aperçu de plein de théories, et peut-être à donner envie de lire Bakounine, de lire Kropotkin et d'autres grands penseurs d'anarchie. Voilà.